Et nous revoilà pour un nouveau podcast. Nous vous proposons aujourd'hui une version audio d'un article d'Alex Glaxstein, et oui, encore lui, sur le colonialisme monétaire en Afrique. Le papier d'origine a été publié en juin 2021 par Bitcoin Magazine, et la version française a été publiée quelques jours plus tard par Coin Tribune, grâce au travail et à l'excellente traduction de Gloire Campbell. Dans cet article, Alex Glaxstein nous embarque une nouvelle fois dans un récit passionnant et nous explique pourquoi Bitcoin représente une lueur d'espoir pour tout un continent. Mais avant de commencer, nous voulions vraiment vous remercier pour tous vos messages et vos commentaires. Ce format semble vous plaire, donc on va continuer à vous proposer le plus régulièrement possible des articles qui nous ont particulièrement plu en version audio. À ce propos, n'hésitez pas, vous aussi, à partager dans les commentaires des articles sur Bitcoin ou les cryptos en général qui vous ont marqué. Ça nous donnera des idées pour les prochains épisodes. Sur ce, très bonne écoute. Combattre le colonialisme monétaire avec le code open source de Bitcoin. À l'automne 1993, la famille de Fodé Diop économisait pour garantir son avenir. Jeune homme de 18 ans, brillant, vivant au Sénégal, Fodé avait devant lui une belle carrière de basketteur et d'ingénieur. Son père, un instituteur, l'avait aidé à trouver de l'inspiration dans les ordinateurs et dans la connexion avec le monde qui l'entourait. Ses talents d'athlète, eux, lui avaient valu des offres d'études en Europe et aux États-Unis. Mais tout avait changé à son réveil un matin du 12 janvier 1994. Du jour au lendemain, sa famille a perdu la moitié de ses économies. Non pas à cause d'un vol, d'un braquage de banque ou d'une faillite d'entreprise, mais à cause de la dévaluation de la monnaie, une monnaie imposée par une puissance étrangère basée à plus de 5000 km de là. La veille au soir, des officiels français avaient rencontré leur homologue africain à Dakar pour discuter du sort du franc de la communauté financière africaine, connue sous le nom de franc CFA ou CFA pour faire plus court. Pendant toute la vie de Fodé, le franc CFA était rattaché au franc français à un taux de 1 pour 50, mais tard dans la nuit, à minuit, à la fin de la réunion, une annonce a fixé le nouveau taux à 1%. L'ironie cruelle était que le destin économique de millions de Sénégalais était complètement hors de leur contrôle. Aucune protestation ne pouvait renverser leur maître économique. Pendant des décennies, de nouveaux présidents se sont succédés, mais l'accord financier n'a jamais changé. Contrairement à une monnaie fiduciaire typique, le système était bien plus insidieux. C'était du colonialisme monétaire. Dans leur ouvrage révélateur, les économistes Fanny Pigeot et Nmongo Saba Sila racontent l'histoire tragique et parfois choquante du franc CFA. La France, comme d'autres puissances européennes, a colonisé de nombreuses nations dans le monde à l'époque de son âge d'or impérial, souvent de façon brutale. Après son occupation par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, l'empire colonial français a commencé à se désintégrer. Les Français se sont battus pour conserver leurs colonies, infligeant au passage un énorme bilan humain. Malgré une série de guerres mondiales coûteuses, la France perd l'Indochine, puis la Syrie et le Liban, et enfin son territoire en Afrique Nord, y compris l'Algérie, une colonie riche en pétrole et en gaz. Mais la France était déterminée à ne pas perdre ses territoires en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ceci avait fourni la main-d'œuvre militaire pendant les deux guerres mondiales et offert une corne d'abondance de ressources naturelles, dont l'uranium, le cacao, le bois et la bauxite, qui avaient enrichi et soutenu la métropole. À l'approche de 1960, la décolonisation semblait inévitable. L'Europe était unanime pour se désengager de l'Afrique après des décennies de déprédation et de pillage institutionnalisés. Mais les autorités françaises ont compris qu'elles pouvaient avoir le beurre et l'argent du beurre en cédant le contrôle politique tout en conservant le contrôle monétaire. Cet héritage est toujours d'actualité dans 15 pays francophones qui utilisent une monnaie contrôlée par Paris, dont le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République du Congo et les îles Comores. En 2021, les Français exercent encore un contrôle monétaire sur plus de 2,5 millions de kilomètres carrés du territoire africain, soit une superficie équivalente à 80% de celle de l'Inde. La France a entamé la décolonisation en 1956 avec la loi cadre des fers, un texte de loi accordant plus d'autonomie aux colonies et créant des institutions démocratiques et le suffrage universel. En 1958, la Constitution française est modifiée pour mettre en place la Communauté, un groupe de territoires d'outre-mer autonomes et administrés démocratiquement. Le président Charles de Gaulle a fait le tour des colonies d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale pour proposer une autonomie sans indépendance par le biais de la Communauté ou une indépendance totale immédiate. Il a été clair sur le fait que la première solution présentait des avantages et une certaine stabilité, tandis que la seconde comportait de grands risques, voire le chaos.
En 1960, la France avait une population plus importante, environ 40 millions d'habitants, que les 30 millions d'habitants de ce qui est aujourd'hui les 15 nations du CFA. Mais aujourd'hui, 67 millions de personnes vivent en France et 183 millions dans la zone CFA. Selon les projections de l'ONU, en 2100, la France comptera 74 millions d'habitants et les pays du franc CFA plus de 800 millions. Étant donné que la France tient toujours leur destin financier entre ses mains, la situation ressemble de plus en plus à un apartheid économique. Lorsque le franc CFA a été introduit en 1945, il valait 1,7 francs français. En 1948, il a été renforcé à 2 francs français. Mais lorsque le franc CFA a été rattaché à l'euro à la fin des années 90, il valait 0,01 francs français. Il s'agit là d'une dévaluation de 99,5%. Chaque fois que la France a dévalué le franc français, elle a augmenté son pouvoir d'achat par rapport à ses anciennes colonies et a rendu possible l'importation de biens essentiels. En 1992, le peuple français a pu se prononcer sur l'adoption ou non de l'euro par le biais d'un référendum national. Les ressortissants du CFA se sont vus refuser ce droit et ont été exclus des négociations visant à rattacher leur monnaie à une nouvelle devise. Le mécanisme exact du système CFA a évolué depuis sa création, mais la fonctionnalité de base et les méthodes d'exploitation sont restées inchangées. Elles sont décrites par ce que Pigeot et Silla appellent la théorie de la dépendance, selon laquelle les ressources des nations en développement sont continuellement drainées au profit des nations riches. Cette exploitation a évolué au fil du temps, passant de régimes d'esclavage brutaux à des moyens plus sophistiqués et moins évidents de maintenir la servitude politique et économique. Trois banques centrales desservent aujourd'hui les 15 pays du CFA. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ou BCEAO pour les pays d'Afrique occidentale. La Banque des États de l'Afrique centrale, ou BEAC pour les pays d'Afrique centrale. Et enfin la Banque centrale des Comores, la BCC. Les banques centrales détiennent les réserves de change, c'est-à-dire l'épargne nationale des différents pays de leur région, qui doivent conserver en permanence 50% de ces réserves auprès du Trésor français. Ce chiffre, aussi élevé soit-il, est le résultat de négociations historiques. À l'origine, les anciennes colonies devaient conserver 100% de leurs réserves en France, et ce n'est que dans les années 70 qu'elles ont obtenu le droit d'en contrôler une partie et de céder seulement 65% à Paris. Les pays de la zone CFA n'ont aucun pouvoir discrétionnaire sur leurs réserves stockées à l'étranger. Ils ne savent pas comment cet argent est dépensé. Entre-temps, Paris sait exactement comment l'argent de chaque nation CFA est dépensé, car elle gère des comptes d'opération pour chaque pays dans les trois banques centrales. Par exemple, lorsqu'une société ivoirienne de café vend pour 1 million de dollars de marchandises à un acheteur chinois, les yuans de l'acheteur sont échangés en euros sur un marché des échanges français. Ensuite, le Trésor français reprend les euros et crédite le montant en francs CFA sur le compte ivoirien à la BCEAO, qui crédite ensuite le compte local du cafetier. Tout passe par Paris. Selon Pigeot et Silla, la France fabrique encore l'ensemble des billets et pièces utilisés dans la région CFA, facturant 45 millions d'euros par an pour ce service et détient toujours 90% des réserves d'or des pays du CFA, soit environ 36,5 tonnes. Le système CFA confère 5 avantages majeurs au gouvernement français. Des réserves qu'il peut utiliser à sa guise. De grands marchés pour des exportations coûteuses et des importations bon marché. La possibilité d'acheter des minéraux stratégiques dans sa monnaie nationale sans épuiser ses réserves. Des prêts avantageux lorsque les pays de la zone CFA sont créditeurs et des taux d'intérêt favorables lorsqu'ils sont endettés. Pendant une grande partie de l'histoire, le taux d'inflation français a même dépassé le taux d'intérêt des prêts, ce qui signifie en fait que la France obligeait les pays de la zone CFA à payer des frais pour stocker leurs réserves à l'étranger. Et enfin, un double prêt, dans lequel une nation CFA emprunte de l'argent à la France et, en cherchant à déployer le capital, n'a guère d'autre choix, étant donné les circonstances macroéconomiques perverses, que de passer des contrats avec des entreprises françaises. Cela signifie que le capital de l'emprunt revient immédiatement à la France, mais la nation africaine doit encore supporter le capital et les intérêts. Cela conduit à une sorte de phénomène de recyclage du pétrodollar, similaire à la façon dont l'Arabie Saoudite prendrait les dollars gagnés par les ventes de pétrole pour les investir dans le bon du trésor américain. Car les exportateurs de la zone CFA vendaient historiquement des matières premières à la France, une partie des recettes étant collectée par la Banque Centrale Régionale et réinvestie dans la dette de la métropole par le biais de la dette publique française, ou aujourd'hui européenne. Et puis il y a la convertibilité sélective du franc CFA. Les entreprises peuvent facilement vendre leurs francs CFA contre des euros aujourd'hui, auparavant des francs français. Mais les citoyens qui détiennent des francs CFA en dehors de la zone de leur banque centrale ne peuvent les échanger nulle part. Ils sont à peu près aussi inutiles que des cartes postales.
Si un Ivoirien quitte son pays, il doit d'abord échanger ses billets contre des euros, dont le Trésor français et la Banque Centrale Européenne extraient le seigneuriage par le biais du taux de change. La répression monétaire en jeu réside dans le fait que la France oblige les pays de la zone CFA à conserver une quantité énorme de réserves dans les coffres parisiens, empêchant ainsi les Africains de créer du crédit intérieur. Les banques centrales régionales finissent par prêter très peu à des taux très élevés au lieu de prêter plus à des taux plus bas. Et les pays du CFA finissent, contre leur gré, par acheter de la dette française ou, aujourd'hui, européenne avec leurs réserves stratégiques. La partie la plus surprenante, sans doute, est le privilège spécial du premier droit de refus sur les importations et les exportations. Si vous êtes un producteur de coton malien, par exemple, vous devez d'abord proposer vos marchandises à la France avant d'aller sur les marchés internationaux. Ou si vous êtes au Bénin et que vous voulez construire un nouveau projet d'infrastructure, vous devez prendre en considération les offres françaises avant les autres. Historiquement, cela signifie que la France a pu accéder à des biens moins chers en provenance de ses anciennes colonies et vendre ses propres biens et services à des prix supérieurs à ceux du marché. Pigeot et Silla appellent cela la continuation du pacte colonial qui s'articulait autour de quatre principes fondamentaux. Premièrement, les colonies sont interdites d'industrialisation et doivent se contenter de fournir des matières premières à la métropole qui les transforme en produits finis qui sont ensuite revendus aux colonies. Deuxièmement, la métropole jouit du monopole des exportations et importations coloniales. Troisièmement, elle détient également le monopole de l'expédition des produits coloniaux à l'étranger. Et enfin, quatrièmement, la métropole accorde des préférences commerciales aux produits des colonies. Il en résulte une situation où les banques centrales disposent d'abondantes réserves de change, rémunérées à des taux faibles, voire négatifs en réalité, dans lesquelles les banques commerciales détiennent des liquidités excédentaires, où l'accès au crédit des ménages et des entreprises est rationné et où les États sont de plus en plus obligés, pour financer leurs projets de développement, de contracter des emprunts en devises et à des taux d'intérêt insoutenables, ce qui favorise davantage la fuite des capitaux. Aujourd'hui, le système CFA a été africanisé. C'est-à-dire que les billets portent désormais la culture, la flore et la faune africaine et que les banques centrales sont situées à Dakar, à Yaoundé ou à Moroni. Mais ce ne sont là que des changements superficiels. Les billets de banque sont toujours fabriqués à Paris, les comptes d'opération sont toujours gérés par les autorités françaises et des fonctionnaires français siègent toujours au conseil d'administration des banques centrales régionales et détiennent de facto un droit de veto. C'est une situation remarquable où une citoyenne du Gabon voit un bureaucrate français prendre des décisions en son nom. Tout comme si, à la BCE ou à la Réserve fédérale, des Japonais ou des Russes prenaient des décisions pour les Européens ou les Américains. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont historiquement travaillé de concert avec la France pour faire respecter le système CFA et ont rarement, voire jamais, critiqué son caractère exploiteur. En fait, dans le cadre du système de Bretton Woods de l'après-guerre, où les Américains dirigeaient la Banque mondiale et les Européens le FMI, le poste de directeur général du FMI a souvent été occupé par un fonctionnaire français. Tout récemment, Christine Lagarde. Au fil des ans, le FMI a aidé la France à faire pression sur les pays de la zone CFA pour qu'ils poursuivent les politiques qu'elle souhaitait. Un exemple frappant est celui du début des années 90, lorsque la Côte d'Ivoire ne voulait pas dévaluer sa monnaie, mais que les Français faisaient pression pour un tel changement. Selon Pigeot et Silla, à la fin de l'année 1991, le FMI a refusé de continuer à prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire, offrant au pays deux options. Soit le pays remboursait les dettes contractées auprès du fonds, soit elle devait accepter la dévaluation. La Côte d'Ivoire et les autres pays de la zone CFA ont cédé et accepté la dévaluation 3 ans plus tard. En contradiction avec les valeurs de liberté, égalité, fraternité, les responsables français ont soutenu des tyrans dans la zone CFA au cours des 6 dernières décennies. Par exemple, 3 hommes, Omar Bongo au Gabon, Paul Biya au Cameroun, Ouna Simbe et Yadema au Togo, ont tous les trois accumulé 120 ans de pouvoir. Tous auraient été chassés par le peuple bien plus tôt si les Français ne leur avaient pas fourni l'argent, les armes et la couverture diplomatique. Selon Pigeot et Silla, entre 1960 et 1991, Paris a mené près de 40 interventions militaires dans 16 pays pour défendre ses intérêts. Et ce chiffre est certainement plus élevé aujourd'hui. Au fil du temps, le système CFA a permis à l'État français d'exploiter les ressources et la main-d'œuvre des nations africaines sans leur permettre de consolider leur accumulation de capital et de développer leurs propres économies axées sur l'exportation. Les résultats ont été catastrophiques pour le développement humain. Aujourd'hui, le PIB par habitant de la Côte d'Ivoire, ajusté après l'inflation, est d'environ 1 700 $ contre 2 500 à la fin des années 1970. Au Sénégal, il a fallu attendre 2017 pour que le PIB par habitant corrigé après inflation dépasse les sommets atteints dans les années 60. Au cours des 40 dernières années, le pouvoir d'achat moyen s'est détérioré presque partout.
Au Gabon, le revenu moyen le plus élevé a été enregistré en 1976. 40 ans plus tard, il a diminué de moitié. La Guinée-Bissau a rejoint le système CFA en 1997, année où elle a enregistré le pic de son revenu moyen. 19 ans plus tard, celui-ci a chuté de 20%. 10 des 15 pays de la zone CFA sont considérés comme faisant partie des pays les moins développés du monde par les Nations Unies, aux côtés de pays comme Haïti, le Yémen et l'Afghanistan. Dans divers classements internationaux, le Niger, la République centrafricaine, le Tchad ou la Guinée-Bissau sont souvent considérés comme les pays les plus pauvres du monde. Les Français entretiennent, en fait, une version extrême de ce qu'Alan Farrington a appelé la mine de capital. L'homme politique sénégalais Amadou Lamine Gueye a un jour résumé le système CFA en disant que les citoyens n'avaient que des devoirs et aucun droit, et que la tâche des territoires colonisés était de produire beaucoup, de produire au-delà de leurs propres besoins et de produire au détriment de leurs intérêts plus immédiats, afin de permettre à la métropole un meilleur niveau de vie et un approvisionnement plus sûr. La métropole, bien sûr, résiste à cette description. Comme l'a déclaré le ministre français de l'économie Michel Sapin en avril 2017, la France est là en tant qu'ami. Maintenant, le lecteur peut se demander est-ce que les pays africains résistent à ces abus ? La réponse est oui, mais ils paient un lourd tribut. Les premiers leaders nationalistes de l'ère de l'indépendance africaine ont reconnu la valeur de la liberté économique. L'indépendance n'est que le prélude à une lutte nouvelle et plus engagée pour le droit de mener nos propres affaires économiques et sociales sans être gênés par le contrôle et l'ingérence néocolonialiste écrasante et humiliante. Voilà ce qu'a déclaré Kwame Nkrumah en 1963, alors à la tête du mouvement qui a fait du Ghana la première nation indépendante d'Afrique subsaharienne. Mais tout au long de l'histoire de la région CFA, les dirigeants nationaux qui ont tenu tête aux autorités françaises ont eu tendance à mal s'en sortir. Ensuite, en guise de représailles déstabilisantes, les Français ont lancé l'opération Persil, au cours de laquelle, selon Pigeot et Silla, les services secrets français ont contrefait une énorme quantité de nouveaux billets de banque, puis les ont déversés en masse dans le pays. Le résultat, écrivent-ils, fut l'effondrement de l'économie guinéenne. Les espoirs démocratiques du pays ont été anéantis en même temps que ses finances, car Touré a pu asseoir son pouvoir dans le chaos et commencer 26 ans de règne brutal. En 1962, le leader de l'indépendance du Mali, Modibo Keïta, annonce la sortie du Mali de la zone CFA pour créer sa propre monnaie. Keïta a expliqué en détail les raisons de cette décision, telles que la dépendance économique excessive, la concentration des pouvoirs décisionnels à Paris et l'arrêt de la diversification et de la croissance économique. Il est vrai que le vent de la décolonisation est passé sur le vieil édifice, mais sans trop le secouer, a-t-il déclaré à propos du statu quo. En réponse, le gouvernement français rendit le franc malien inconvertible. Une profonde crise économique s'en est suivie et Keïta fut renversé par un coup militaire en 1968. Le Mali a finalement choisi de réintégrer la zone CFA, mais les Français ont imposé deux dévaluations du franc malien comme condition de réintégration et n'ont pas permis la réintégration avant 1984. En 1969, lorsque le président nigérien Amani Diori a demandé un accord plus flexible dans lequel son pays aurait une plus grande indépendance monétaire, les Français ont dit niette. Ils l'ont menacé en retenant le paiement de l'uranium qu'il récoltait dans les mines du désert et qui devait donner à la France une indépendance énergétique grâce à l'énergie nucléaire. 6 ans plus tard, le gouvernement de Diori est renversé par le général Sani Kounché, 3 jours avant une réunion prévue pour renégocier le prix de l'uranium nigérien. Diori voulait augmenter ce prix, mais apparemment son ancien maître colonial n'était pas d'accord. L'armée française était stationnée à proximité pendant le coup d'État, mais, comme le notent sèchement Pigeot et Silla, elle n'a pas levé le petit doigt. En 1985, le chef militaire révolutionnaire du Burkina Faso, Thomas Sankara, a été interrogé dans une interview. Le franc CFA n'est-il pas une arme pour la domination de l'Afrique ? Le Burkina Faso compte-t-il continuer à porter ce fardeau ? Pourquoi un paysan africain a-t-il besoin, dans son village, d'une monnaie convertible ? Sankara a répondu : que la monnaie soit convertible ou non n'a jamais été la préoccupation du paysan africain. Il a été plongé contre son gré dans un système économique contre lequel il est sans défense. Sankara a été assassiné 2 ans plus tard par son meilleur ami et second, Blaise Compaoré. Aucun procès n'a jamais eu lieu. Au lieu de cela, Compaoré s'est emparé du pouvoir et a régné, jusqu'en 2014, en serviteur loyal et brutal du système CFA. En décembre 1962, le premier dirigeant postcolonial du Togo, Sylvanus Olympio, a officiellement pris des mesures pour créer une banque centrale du Togo et un franc togolais. Mais le matin du 13 janvier 1963, quelques jours avant de cimenter cette transition, il est abattu par des soldats togolais qui avaient reçu une formation en France.
Nassim Bey Eyadema est l'un des soldats qui ont commis ce crime. Il a ensuite pris le pouvoir et est devenu le dictateur du Togo avec le soutien total de la France, gouvernant pendant plus de 5 décennies et promouvant le franc CFA jusqu'à sa mort en 2005. Son fils gouverne encore aujourd'hui et le meurtre d'Alain Piau n'a jamais été élucidé. La famille de Farida Nabourema a toujours été impliquée dans la lutte pour les droits de l'homme au Togo. Son père était un leader actif de l'opposition et a fait de la prison politique. Son père s'est opposé aux Français à l'époque coloniale et aujourd'hui elle est une figure de proue du mouvement démocratique du pays. Farida avait 15 ans lorsqu'elle a appris que l'histoire de la dictature togolaise était éminemment liée au franc CFA. À cette époque, au début des années 2000, elle avait commencé à se rapprocher de son père et lui poser des questions sur l'histoire de son pays. Pourquoi notre premier président a-t-il été assassiné quelques années seulement après notre indépendance ? La réponse, il s'est opposé au franc CFA. En 1962, Alain Piau lance le mouvement vers l'indépendance financière vis-à-vis de la France. Le Parlement vote en faveur de cette transition, de la création d'un franc togolais et de la détention de leurs réserves dans leur propre banque centrale. Farida fut choquée d'apprendre qu'Alain Piau a été assassiné 2 jours seulement avant que le Togo ne soit censé quitter l'accord CFA. Sa décision de rechercher la liberté monétaire a été perçue comme un affront à l'hégémonie en Afrique francophone. Ils avaient peur que d'autres suivent. Aujourd'hui, dit-elle, pour de nombreux militants togolais, le CFA est la principale raison de la recherche d'une liberté plus large. C'est ce qui anime beaucoup de personnes dans le mouvement d'opposition. Farida dit que la France gardant plus de la moitié des réserves du Togo dans ses banques, le peuple togolais n'a aucun contrôle sur la façon dont ces réserves sont dépensées. Souvent, ces réserves, gagnées par les Togolais, sont utilisées pour acheter de la dette française afin de financer les activités des Français. En fait, cet argent est souvent prêté à l'ancien maître colonial à un taux négatif. Les Togolais paient Paris pour que Paris garde leur argent à leur place et finance ainsi le niveau de vie des Français. En 1994, la dévaluation qui dissolut les économies de la famille de Fodé Diop au Sénégal a aussi durement touché le Togo, provoquant une énorme augmentation de la dette, une réduction du financement public des infrastructures locales et une augmentation de la pauvreté. « Rappelez-vous, dit Farida, notre gouvernement est obligé de donner la priorité à la détention de nos réserves dans la banque française plutôt qu'aux dépenses dans le pays. Donc quand un choc survient, nous devons nous dégrader pour nous assurer qu'une quantité appropriée de liquidité est dans les mains de Paris. » Cela crée un climat de dépendance où les Togolais sont obligés d'expédier des produits bruts à l'extérieur et de faire entrer des produits finis sans jamais creuser pour s'en sortir. Selon Farida, il y a environ 10 ans, le mouvement anti-CFA a commencé à prendre de l'ampleur. Grâce aux téléphones portables et aux médias sociaux, les gens ont pu s'unir pour s'organiser de manière décentralisée. Auparavant, les Ivoiriens et les Togolais luttaient chacun de leur côté. Mais aujourd'hui, il existe un effort régional entre les militants. Depuis des dizaines d'années, l'idée d'une monnaie éco pour tous les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, y compris les puissances économiques régionales que sont le Nigeria et le Ghana, a été lancée. Selon Farida, les Français ont essayé de détourner ce plan, y voyant un moyen d'étendre leur propre empire financier. En 2013, François Hollande, alors président, a formé une commission qui a créé un document pour l'avenir de la France en Afrique. Dans ce document, ils ont déclaré qu'il était impératif d'impliquer les pays anglophones comme le Ghana. L'administration d'Emmanuel Macron tente maintenant de renommer le franc CFA l'ECO, dans un processus continu d'africanisation du système financier colonial français. Le Nigeria et le Ghana se sont retirés du projet ECO lorsqu'ils ont compris que les Français allaient continuer à en avoir le contrôle. Rien ne s'est encore produit officiellement, mais les pays actuellement gérés par la banque centrale de la BCEAO sont en passe de passer à cette monnaie d'ici 2027. Les Français auront toujours le pouvoir de décision et il n'existe aucun projet formel d'ajustement de la Banque centrale des nations CFA d'Afrique centrale ou des Comores. Le summum de l'hypocrisie pour des dirigeants français comme Macron d'aller à Davos et de dire qu'ils en ont fini avec le colonialisme, a déclaré Farida. Alors qu'en fait, ils essaient de l'étendre. Elle a déclaré qu'à l'origine, le franc CFA a été créé sur la base du plan monétaire utilisé par les occupants nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a créé une monnaie nationale pour les colonies françaises afin de pouvoir contrôler facilement les importations et les exportations en utilisant un seul levier financier. Lorsque la guerre s'est terminée et que les Français ont retrouvé leur liberté, ils ont décidé d'utiliser exactement le même modèle, mais pour leur propre colonie. Ainsi, selon Farida, la fondation du franc CFA est en réalité d'origine nazie. Le système a un génie obscur dans la mesure où les Français ont pu, au fil du temps, imprimer de l'argent pour acheter des biens vitaux à leurs anciennes colonies, mais ces pays africains, par contre, doivent travailler pour acquérir des réserves. Ce n'est pas juste, ce n'est pas l'indépendance, a déclaré Farida. C'est de la pure exploitation.
La France prétend que le système est bon parce qu'il assure la stabilité, une faible inflation et la convertibilité pour le peuple togolais. Mais la convertibilité tend à faciliter la fuite des capitaux, lorsqu'il est facile pour les entreprises de fuir le CFA et de placer leurs bénéfices en euros aujourd'hui, tout en enfermant les Togolais dans un régime de seigneuriage. Chaque fois que le CFA est converti, et il doit l'être car il ne peut pas être utilisé en dehors de la zone économique d'un citoyen, les Français et la BCE prennent leur part. Oui, a déclaré Farida, l'inflation est faible au Togo par rapport aux pays indépendants, mais une grande partie de leurs revenus sert à lutter contre l'inflation au lieu de soutenir la croissance des infrastructures et de l'industrie dans le pays. En fait, si l'on fait un zoom en arrière, on constate que pas une seule nation CFA ne figure parmi les 10 pays les plus riches d'Afrique. Mais parmi les 10 pays les plus pauvres, la moitié se trouve dans la zone CFA. Selon Farida, le colonialisme français va au-delà de l'argent. Il affecte également l'éducation et la culture. Par exemple, dit-elle, la Banque mondiale donne 130 millions de dollars par an pour aider les pays francophones à payer des livres pour les écoles publiques. Selon Farida, 90% de ces livres sont imprimés en France. L'argent va directement de la Banque mondiale à Paris, et non au Togo ou à toute autre nation africaine. Les livres sont des outils de lavage de cerveau, dit Farida. Ils mettent l'accent sur la gloire de la culture française et minimisent les réalisations des autres nations, qu'elles soient américaines, asiatiques ou africaines. Au lycée, Farida a demandé à son père « Est-ce que les gens utilisent une autre langue que le français en Europe ?» Il a ri. Il n'apprenait que l'histoire de la France, les inventeurs français et les philosophes français. Elle a grandi en pensant que les seules personnes intelligentes étaient des Français. Elle n'avait jamais lu un livre américain ou britannique avant son premier voyage à l'étranger. En général, dit Farida, l'Afrique francophone consomme 80% des livres que les Français impriment. Le président Macron veut étendre cette domination et a promis de dépenser des centaines de millions d'euros pour booster le français en Afrique, déclarant qu'il pourrait être la première langue du continent et le qualifiant de langue de la liberté. Compte tenu des dépendances actuelles, 85% de tous les francophones pourraient vivre en Afrique d'ici 2050. La langue est un des piliers qui soutient la survie du franc CFA. La politique en est un autre. Un élément important du système CFA est le soutien français à la dictature. À l'exception du Sénégal, pas un seul pays du bloc CFA n'a connu une démocratisation significative. Tous les tyrans qui ont réussi en Afrique francophone, dit Farida, ont bénéficié du soutien total de l'État français. Chaque fois qu'il y a un coup d'État contre la démocratie, les Français soutiennent les putschistes tant qu'ils sont favorables au régime CFA. Mais dès que quelqu'un a des tendances anti-françaises, il y a des sanctions, des menaces, voire des assassinats. Farida cite l'exemple du Tchad et du Mali aujourd'hui. Les deux pays sont menacés par le terrorisme et la rébellion. Au Tchad, le dictateur militaire Idriss Déby a été soutenu par la France pendant 3 décennies jusqu'à sa mort en avril. Selon la constitution tchadienne, le chef du parlement est normalement le prochain candidat à la présidence. Mais les militaires ont préféré installer le fils de Déby en général de l'armée. Le gouvernement français a applaudi cette transition illégale et le président Macron s'est même rendu au Tchad il y a 2 mois pour célébrer cette imposture. Dans un discours d'hommage, il a qualifié Déby d'ami et de soldat courageux et a déclaré que la France ne laissera personne mettre en cause ou menacer aujourd'hui ou demain la stabilité et l'intégrité du Tchad. Le fils, bien sûr, fera la promotion du franc CFA. Le Mali, quant à lui, a connu un coup d'État 1 mois après celui du Tchad. La junte et la population ne sont pas aussi amicales envers Paris et semblent chercher, en Russie, un nouveau partenaire pour enrayer le terrorisme. Le gouvernement français a qualifié le coup d'inacceptable et a même menacé de retirer ses troupes du Mali pour laisser le pays gérer seul ses terroristes. Le Mali est puni par la France pour avoir fait la même chose que le Tchad. Il y a du despotisme et de la corruption des deux côtés. La seule différence est que le Mali a voulu s'affranchir du contrôle monétaire français, alors que le Tchad coopère toujours. Quand vous êtes un dictateur, tant que vous travaillez pour la France, ils continueront à trouver des excuses pour vous aider à rester au pouvoir, a déclaré Farida. Ils ont fait la même chose en 2005 dans son pays, le Togo, ce qui a conduit un fils à prendre la place de son père dictateur et au réveil politique de Farida. Nouvelle partie, la mission de Fodé Diop pour amener Bitcoin au Sénégal. Ce n'est que lorsque Fodé Diop a eu l'occasion de se rendre aux États-Unis qu'il a pu commencer à observer son pays, le Sénégal, de l'extérieur. Au début, la dévaluation du franc CFA en 1994 avait mis en péril son avenir académique. Il avait alors la possibilité d'aller étudier et jouer au basket dans une université du Kansas, mais les économies de sa famille avaient été détruites.
Plus chanceux que la plupart des gens autour de lui, sa famille avait une autre option. Son père avait des droits d'auteur sur du matériel pédagogique qu'il avait créé, et il a pu les utiliser pour emprunter ce qui était nécessaire pour permettre à Fodé d'aller à l'université. Un jour, quelques années après avoir obtenu son diplôme universitaire alors qu'il vivait aux États-Unis et travaillait avec son frère sur un nouveau site de vidéo, Fodé est tombé sur une vidéo YouTube du docteur Cheikh Anta Diop, un scientifique et historien sénégalais, qui expliquait comment l'argent et la langue étaient des outils permettant de contrôler l'esprit et les moyens de subsistance des gens. Fodé avait déjà entendu parler du docteur Diop. La plus grande université du Sénégal porte son nom. Mais il n'avait pas écouté sa critique du système CFA. Cette critique a frappé Diop de plein fouet. Il a dit que c'était comme le moment dans Matrix, l'un de ses films préférés, où Neo prend la pilule rouge de Morpheus et sort de sa capsule pour se retrouver dans le monde réel d'une brutalité saisissante. « C'est la première fois de ma vie que j'ai commencé à penser par moi-même », a déclaré Fodé. « La première fois que j'ai réalisé que la monnaie de mon propre pays était un mécanisme de contrôle ». Il a ajouté que c'était plus qu'un simple contrôle de la monnaie, parce que les Français impriment et contrôlent l'argent à travers les comptes des opérations de chaque pays et disposent donc de leurs données. Ils ont des informations sur tous les pays. Ils savent qui est corrompu, ils savent qui achète des biens immobiliers en France, ils savent ce qui est disponible. Ils ont le premier droit de refus sur les propriétés préférentielles à l'importation et à l'exportation. Ils ont une domination totale, a déclaré Fodé. Il se souviendra plus tard de la dévaluation de 1994. À l'époque, il n'avait que 18 ans et ne comprenait donc pas ce qui se passait, mais la situation de sa famille est devenue beaucoup plus difficile. Ils vous mettent un sac sur la tête pour que vous ne vous rendiez pas compte de votre réalité, dit-il. Mais rétrospectivement, il y a eu un grand débat public à ce sujet. Les gens ont vite réalisé que quand le pays s'est converti au franc français, ils n'obtenaient que la moitié de leur argent alors qu'ils faisaient la même quantité de travail. Selon Fodé, le raisonnement français consistait à rendre les exportations moins chères afin que les pays africains puissent produire de manière plus compétitive. Mais Fodé voit les choses complètement différemment. Cela permettait à la France de donner un coup de fouet et d'acheter des marchandises moins chères. Fodé aura deux autres grands moments de pilule rouge. Le suivant a eu lieu en 2007, alors qu'il travaillait à Las Vegas dans le secteur de la technologie. Il regarda alors une vidéo de Steve Jobs qui venait d'annoncer l'iPhone au monde entier. Fodé était stupéfait. Un téléphone mobile doté d'un navigateur natif à écran tactile. La même chose qui se trouvait sur votre ordinateur se trouvait maintenant sur votre téléphone. Il a su instantanément que cela allait changer le monde. Son idée suivante, comment intégrer les paiements natifs dans les applications iPhone, afin que les personnes sans compte bancaire ni carte de crédit puissent utiliser le mobile money. La dernière pilule rouge pour Fodé a été de découvrir Bitcoin en 2010. Il vivait alors à Los Angeles lorsqu'il a lu pour la première fois le white paper de Satoshi Nakamoto sur le fameux peer-to-peer electronic cash system. Dès qu'il l'a lu, Fodé pensa que pour la première fois, il existait une arme pour lutter contre l'oppression et le colonialisme. L'argent du peuple non contrôlé par les gouvernements. C'est exactement ce dont nous avions besoin, a-t-il dit. Quelques années auparavant, Fodé avait lu Out of Control de Kevin Kelly. L'un des chapitres portait sur les monnaies électroniques. Il savait qu'à terme, toute la monnaie serait numérique, dans le cadre d'une grande révolution électronique mondiale. Mais avant de découvrir Bitcoin, il n'avait jamais réfléchi en profondeur au pouvoir de transformation que pouvait avoir la monnaie numérique. Qu'est-ce que l'argent? D'où vient-il? Poser ces questions, c'est ce que Bitcoin a fait pour moi, a-t-il déclaré. Avant cela, on ne se posait pas ce genre de questions. Peut-être, a-t-il pensé, qu'un jour, la France n'aurait plus le droit ou la capacité d'imprimer et de contrôler l'argent du peuple sénégalais. Fodé et son colocataire à Las Vegas se sont couchés tard de nombreuses fois au cours des années suivantes en pensant ce que le Bitcoin pourrait rendre possible pour les paiements, l'épargne et toute l'activité économique. Il a appris ce qui se passait lorsque vous glissiez votre carte de crédit, quel type d'informations cela révélait, et ce que des tiers faisaient de ces informations. Il a pensé que le mariage entre le smartphone et Bitcoin ferait un incroyable outil d'autonomisation. Fodé retournait fréquemment au Sénégal et à chaque fois qu'il y allait, il emportait un tas de téléphones à distribuer. Il les considérait comme des liens avec le monde extérieur pour ses amis restés au pays. Au cours des années suivantes, il a travaillé dans différentes startups, toutes dans l'industrie de la numérisation de différentes parties de nos vies. En 2017, il a quitté Vegas et s'est rendu à San Francisco. Il a rejoint un coding bootcamp et a décidé de devenir ingénieur informatique. Au départ, il s'est beaucoup impliqué dans la scène des crypto-monnaies, dans son ensemble, mais finalement, il dit être tombé amoureux d'Ethereum juste au moment où il a commencé à aller au séminaire socratique de San Francisco avec le fondateur de River, Alex Lashman. Il rencontra aussi beaucoup de développeurs de Bitcoin Core et les premiers utilisateurs de Lightning. En 2019, il a remporté un hackathon sur les transports en réalisant une facture Lightning qui permettait de débloquer une Tesla. Cela lui donna un grand coup de confiance sur le fait qu'il pouvait aider à changer le monde.
Il décida de rentrer chez lui, au Sénégal, pour vulgariser au maximum Bitcoin. En chemin, il bénéficia d'une bourse de voyage offerte par Elisabeth Stark, PDG de Lightning Labs, pour la conférence Lightning à Berlin où il a rencontré Richard Myers de Gotenna et le développeur Will Clark qui réfléchissait alors sur la manière de combattre la censure sur Internet grâce au réseau décentralisé. Faudet pensa alors qu'au Sénégal, la société française de télécommunications, Orange, contrôle tous les réseaux téléphoniques. Peut-être qu'il pourrait trouver un moyen de contourner le contrôle français sur les communications et leur capacité à éteindre Internet grâce à Bitcoin et au Lightning Network. Les passerelles de télécommunications du Sénégal sont encore contrôlées par la France et peuvent être fermées en cas de protestation contre le dirigeant du pays, par exemple. Mais il est possible de trouver des points d'accès, selon Faudet, par l'intermédiaire de d'autres fournisseurs. Il peut s'agir d'autres réseaux téléphoniques nationaux ou même de connexions par satellite. Faudet a justement créé un boîtier qui capte ces autres signaux. Les téléphones mobiles pourraient se connecter à ce boîtier, ce qui permettrait aux utilisateurs de se connecter même lorsque les Français ont coupé Internet. Voilà sur quoi Faudet travaille aujourd'hui, l'acheminement des données et la maintenance de ces boîtes au Sénégal. C'est très risqué, a déclaré Faudet. Vous pouvez risquer la prison ou des amendes, mais avec ces incitations monétaires, les gens sont prêts. La prochaine fois qu'Orange coupera Internet pour protéger son allié au gouvernement, le peuple aura peut-être un moyen de communiquer que le régime ne pourra pas arrêter. C'est Lightning la solution, dit Faudet. C'est tout. Nous avons besoin de paiements instantanés et bon marché. Nous ne pouvons pas faire de paiement sur la chaîne principale de Bitcoin. Les frais sont tout simplement trop élevés. Nous devons utiliser Lightning. Il n'y a pas d'autre option, a-t-il déclaré. Cela sonne particulièrement vrai dans le domaine des transferts de fonds qui, selon la Banque mondiale, constituent une source importante de PIB pour de nombreuses nations de la zone CFA. Par exemple, 14,5% du PIB des Comores est basé sur les transferts de fonds. Pour le Sénégal, c'est 10,7%. La Guinée-Bissau, 9,8%. Le Togo, 8,4%. Et le Mali, plus de 6%. Faudet comprend pourquoi les Occidentaux peuvent être sceptiques à l'égard de Bitcoin. Si vous avez Venmo et Cash App, vous ne voyez peut-être pas pourquoi c'est important. Vous avez toutes les commodités d'un système monétaire moderne. Mais quand vous allez au Sénégal, plus de 70% de nos populations n'ont jamais mis les pieds dans une banque. Ils n'ont jamais eu de carte de crédit ou de carte de débit, a-t-il déclaré. Et il s'interroge, comment vont-ils pouvoir participer au système financier mondial ? Selon lui, le mariage entre smartphone et Bitcoin va libérer les gens et changer la société. Faudet mentionna The Mobile Wave, le livre que Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a écrit sur la révolution des ordinateurs de poche. Lorsque Faudet a touché l'iPhone pour la première fois, il a su que c'était ce qu'il attendait. Et en quelques années seulement, il a vu l'iPhone, la grande crise financière, la création du Bitcoin par Satoshi et sa propre transition vers la citoyenneté américaine. Il déclara que puisqu'il a passé la moitié de sa vie en Afrique et l'autre moitié aux États-Unis, il peut voir une voie à suivre. Quand je rentre chez moi, je vois comment les gens sont tenus à l'écart. Mais de la même manière que nous avons sauté les lignes fixes pour passer directement au téléphone portable, nous allons sauter les banques et passer directement à Bitcoin. Un autre effet qu'il observe au Sénégal lorsque les gens sont exposés à Bitcoin est qu'ils commencent à épargner. Aujourd'hui, à la maison, je réfléchis sur la façon d'aider les gens à économiser de l'argent, a-t-il dit. Personne n'économise quoi que ce soit ici. Ils se contentent de dépenser tous les francs CFA qu'ils peuvent obtenir. Faudet est à jamais reconnaissant pour les bitcoins que Leichmann lui a donnés, car il a fini par les partager en petites parties à des personnes au Sénégal, celles qui venaient aux événements ou qui posaient des bonnes questions. Les gens ont vu leur valeur augmenter au fil du temps. Et puis il a observé ce qui s'est passé au Salvador avec beaucoup d'enthousiasme, lorsqu'il s'est trouvé dans une salle de conférence à Miami au début du mois et qu'il a écouté le fondateur de Strike, Jack Mallers, annoncer qu'un pays allait faire du bitcoin une monnaie légale. Faudet eut les larmes aux yeux, il pensait que cela n'arriverait jamais. Ce qui a commencé comme une réserve de valeur évolue maintenant pour devenir un moyen d'échange, a-t-il déclaré. Le Salvador présente certaines similitudes avec les pays de la zone CFA. Il s'agit d'un pays plus pauvre, lié à une monnaie étrangère, dépendant des importations et dont la base d'exportation est plus faible. Sa politique monétaire est aussi contrôlée par une puissance extérieure. 70% du pays n'est pas bancarisé et 22% du PIB dépend des transferts de fonds. Si cela peut être une bonne option pour eux, pensait Faudet, peut-être que cela pourrait fonctionner pour nous aussi. Mais il sait qu'il y aura des obstacles majeurs. Le premier est la langue française. Il n'y a pas beaucoup d'informations en français sur GitHub ou dans la documentation sur Lightning ou sur Bitcoin Core. Actuellement, Faudet travaille justement à la traduction de certaines de ces informations en français afin que la communauté locale de développeurs puisse s'impliquer davantage. Une communauté Bitcoin Beach pourrait-elle éventuellement voir le jour au Sénégal ? Oui, répond Faudet. C'est pour cela qu'il est revenu au pays et qu'il organise des rencontres. Qu'il collecte des dons via Lightning et qu'il construit une version de Radio Free Europe basée sur Bitcoin et alimentée par les individus. « Il pourrait m'emprisonner », a-t-il déclaré, « mais grâce aux meetups, je fais en sorte de ne pas être un point de défaillance unique. » Il pense qu'il sera difficile de faire adopter Bitcoin au Sénégal en raison de l'influence française. « Ils ne partiront pas sans se battre », a-t-il déclaré.
Comme le dit Ndongo Sambasila, aujourd'hui, la France fait face à un déclin économique relatif dans une région qu'elle a longtemps considérée comme sa réserve privée. Même face à la montée en puissance d'autres puissances comme la Chine, la France n'a pas l'intention d'abdiquer. Elle se battra jusqu'au bout. Mais peut-être qu'au lieu d'une révolution violente, il pourrait s'agir d'une révolution pacifique graduelle qui mettrait fin au colonialisme. Quant aux personnes qui pensent que nous devrions simplement demander au gouvernement de protéger nos droits, ils ne savent pas que les démocraties comme la France ont ce mauvais côté, a déclaré Faudé. Elles ne nous feront pas cadeau de la liberté. Au lieu de cela, nous devrions suivre les traces des cypherpunks et nous emparer de nos libertés avec du code open source. Interrogé sur les chances de Bitcoin de remplacer les banques centrales, Faudé a déclaré que l'idée peut sembler folle aux Américains, mais pour les Sénégalais ou les Togolais, les banques centrales sont un parasite de notre société. Nous devons nous défendre. Au final, pour Faudé, Bitcoin change la vie. Jamais auparavant, nous n'avions un système où l'argent pouvait être frappé de manière décentralisée. Mais c'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est une solution pour ceux qui en ont le plus besoin. Pour la première fois, nous disposons d'un outil puissant pour repousser l'oppression, a-t-il déclaré. Ce n'est peut-être pas parfait, mais nous devons utiliser les outils dont nous disposons aujourd'hui pour nous battre pour le peuple et ne pas attendre que quelqu'un vienne nous aider. Dernière partie, la séparation entre l'État et la monnaie. En 1980, l'économiste camerounais Joseph Chungjiang Pwemi a écrit « Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique ». La thèse, la dépendance monétaire est le fondement de toutes les autres formes de dépendance. Les derniers mots du livre résonnent particulièrement fort aujourd'hui. Je cite « Le destin de l'Afrique sera forgé par la monnaie ou ne sera pas forgé du tout ». L'argent et la monnaie sont enfouis sous la surface dans le mouvement mondial des droits de l'homme. Ils ne sont presque jamais abordés lors des conférences sur les droits de l'homme et sont rarement discutés entre militants. Mais demandez à un défenseur de la démocratie issu d'un régime autoritaire de vous parler d'argent et il vous racontera des histoires étonnantes et tragiques. La démonétisation en Érythrée et en Corée du Nord, l'hyperinflation au Zimbabwe et au Venezuela, la surveillance de l'État en Chine et à Hong Kong, le gel des paiements en Biélorussie et au Nigeria, et enfin les pare-feux économiques en Iran et en Palestine. Et maintenant, le colonialisme monétaire au Togo et au Sénégal. Sans liberté financière, les mouvements et les ONG ne peuvent pas se maintenir. Si leurs comptes bancaires sont fermés, si les billets sont démonétisés ou si les fonds sont dévalués, leur pouvoir est limité et la tyrannie progresse. La répression monétaire continue d'être cachée et on n'en parle pas dans les cercles polis. La réalité d'aujourd'hui pour les 182 millions de personnes vivant dans les pays de la zone CFA est que, même s'ils sont politiquement indépendants de nous, leur économie et leur monnaie sont toujours sous domination coloniale. Et les puissances étrangères continuent d'abuser et de prolonger cette relation pour exploiter autant de valeurs que possible de leur société et de leur géographie. Ces dernières années, les citoyens de la zone CFA se soulèvent de plus en plus. Le slogan « France, dégage !» est devenu un cri de ralliement. Mais les détracteurs les plus virulents du système, dont Pigeot et Silla, ne semblent pas offrir d'alternative viable. Ils rejettent le status quo et la servitude du FMI pour ne proposer qu'une monnaie régionale contrôlée par les dirigeants locaux ou un système où chaque nation CFA crée et gère sa propre monnaie. Mais le fait que le Sénégal ou le Togo obtiennent finalement leur indépendance monétaire de la France ne garantit pas que cela sera performant ni que les dirigeants du pays n'abuseront encore de la monnaie. Il y a toujours la menace d'une mauvaise gestion dictatoriale nationale ou d'une nouvelle prise de pouvoir par des puissances étrangères russes ou chinoises. Il est clair que les gens ont besoin d'une monnaie qui casse réellement la roue, une monnaie qu'ils peuvent contrôler et qui ne peut pas être manipulée par des gouvernements d'aucune sorte. Tout comme la séparation historique de l'Église et de l'État a ouvert la voie à une société humaine plus prospère et plus libre, une séparation de l'argent et de l'État est en cours. Les citoyens des pays du CFA pourraient-ils, avec le temps et un accès croissant à Internet, populariser Bitcoin au point que les gouvernements seraient contraints de l'adopter de facto, comme cela s'est produit par exemple dans des pays d'Amérique latine comme l'Équateur avec la dollarisation. L'histoire reste à écrire, mais une chose est sûre, la Banque mondiale et le FMI s'opposeront à toute tendance allant dans ce sens. Ils se sont déjà manifestés contre le Salvador. Il y a quelques semaines, l'acteur Hill Harper était cité dans le New York Times à propos de son militantisme pour Bitcoin dans la communauté afro-américaine. Il a dit, tout simplement, « Ils ne peuvent pas coloniser Bitcoin ». Farida Nabourema est d'accord. « Bitcoin, dit-elle, est la toute première fois qu'il existe une monnaie réellement décentralisée et accessible à quiconque dans le monde, indépendamment de sa couleur de peau, de son idéologie, de sa nationalité, du montant de sa richesse ou de son passé colonial ». Selon elle, c'est la monnaie du peuple. Et elle va même un peu plus loin. Peut-être, dit-elle, devrions-nous appeler Bitcoin la monnaie
de la décolonisation. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.